Bon, ben, le copain Renaud, il a reçu la chanson, mais il n'a pas vraiment réagi. Enfin, ben, pas vraiment, non, mais il n'est pas trop tard, là. J'espère qu'il va se réveiller. Il paraît qu'il sort un album. On va voir ce que ça va donner. Et s'il rejoint les ZAD. On s'en fout, c'est nous. T'as raison, camarade, c'est vrai. On n'a pas forcément besoin de Renaud, mais il peut nous aider quand même, quoi. Merde. C'est vrai qu'il a bien donné. Et d'ailleurs. Bon d'accord, alors on va en rechanter une maintenant, une chanson contre ces putains de prisons. Et à propos de prison, il y a une ZAD en Belgique absolument géniale, la ZAD d'Arène. Je vous conseille d'y aller, on se prend la gueule, ils sont excellentissimes, vraiment. Et elle est entre une ligne TGV, un train de banlieue, une autoroute et au-dessous du décollage de l'aéroport de Bruxelles avec un avion toutes les 2 minutes aux heures de pointe. C'est l'ambiance d'enfer. Et il y a un petit îlot de verdure qu'on défend contre cette maudite prison. Alors là, c'est une chanson que j'ai écrite en 93, en prison justement à Neuvik, pas loin d'ici. Là, il y a un CD abominable, tout neuf, avec des portes magnétiques abominables. Hein, un petit peu. Donc, une petite chanson. Ils m'ont arrêté par un matin d'été. Ils m'ont arraché à la vie, à la vallée. Je n'avais ni tué, ni volé, ni violé, et ni même escroqué. J'avais manifesté. Plus de prison, pour les copains. Et puis ils m'ont jugé sans la moindre pitié. Ils m'ont condamné à des mois, à une année. Je dois vivre enfermé derrière des barbelés, tournant bêtement en rond. Plus de prison, c'est pas humain. Plus de prison pour les copains. On est privé de tout, même les animaux captifs dans les eaux sont mieux traités que nous. Il avait écrit, celui qui n'a jamais été emprisonné, c'est parce que c'est que l'État, car c'est un monstre froid, sans la moindre pitié. Faut obéir aux lois et rentrer dans le rang. On va y arriver, c'est sûr. Le capitalisme s'écroule, il s'effondre de jour en jour. T'as bien raison. Mais il faut quand même aider à ce qui